Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, je vais la consacrer à mes toutes premières boutures du figuier. Donc je ne vous cache pas, au début je voulais faire une opération de marcottage, c'est-à-dire je prends une branche, je fais une petite incision et j'allais placer un petit sachet au bout de l'incision. Un sachet rempli d'eau bien sûr que j'allais attacher au bout de l'incision pour espérer bien sûr que la plante forme des racines aériennes, puis je coupe et je transplante en pot. Mais bon, les branches étaient trop courtes pour faire cette méthode, donc j'ai opté pour l'ancienne méthode, c'est-à-dire j'ai fait des prélèvements de rejetons au bout du figuier et j'ai fait des boutures tout court. Donc on dit que les boutures de figuier sont très simples à réaliser. Faut juste enlever toutes les feuilles et voilà, et mettre directement en godet. Il y en a bien sûr qui mettent de l'hormone de bouturage et ils mélangent un peu de sable à leur terreau, mais moi je n'ai pas tout ce matériel, donc j'ai mis directement dans la terre noire. Voilà, donc j'ai arrosé plus tard et puis je les ai mis à l'ombre à l'extérieur. Maintenant, à propos du concours du figuier, j'ai promis de faire des boutures aux gagnants. Il y a à peu près 2 ou 3 personnes qui sont sur la région de Montréal qui ont manifesté le désir d'en avoir une. Donc je vais laisser mon email et vous allez pouvoir me contacter. On va s'arranger. Je pourrais même me déplacer pour vous l'apporter. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les boutures du figuier. Quant à moi, je vous dis bon jardinage et j'espère vous revoir bientôt. Ciao, ciao!